Alors l'AFEF, c'est une association qui s'est créée en 91 dans le sillage de la politique de la ville pour créer des dispositifs d'engagement d'étudiants dans les quartiers pour lutter contre les inégalités, notamment éducatives. Aujourd'hui, on s'est développé sur l'ensemble des quartiers populaires en France et on a plusieurs programmes d'action autour du bénévolat, notamment l'accompagnement individuel d'enfants en difficulté, développement de jeunes en service civique dans les écoles, dans un dispositif qui s'appelle volontaire en résidence, et puis une troisième forme d'engagement qui sont les colocations solidaires, qu'on appelle les colocations à projet solidaire, les CAPS, qui prévoit que des jeunes en colocation s'engagent dans le quartier où se trouve la colocation pour développer des actions solidaires avec les habitants. L'éducation populaire, elle est utile en soi, quelle que soit. Elle est autant utile avant que la société soit en mutation ou que maintenant que la société est en mutation. L'éducation populaire en soi comme outil d'émancipation, de formation des citoyens est indispensable. Et j'aurais tendance à reformuler la question, c'est comment l'éducation peut se transformer au même rythme que la société. On est dans une société qui évolue très vite, qui se mondialise, qui se numérise, qui s'urbanise, des formes politiques qui évoluent. Comment l'éducation populaire peut être en écho à ces éléments-là pour être toujours au cœur des problématiques? C'est ça la grande question. Et donc, comment on arrive à rester très fort sur ce qu'on porte en termes de valeurs, en termes de sens collectif? Et comment on est en réinvention d'action pour être au cœur de ce qui joue aujourd'hui, notamment la lutte contre les inégalités. Il y a peut-être plusieurs façons d'aborder la question. Il y a la question politique de fond sur l'idée de l'éducation populaire, comment on arrive à mieux la faire connaître, mieux l'appréhender, mieux la faire évoluer. Il y a cette question-là. Puis il y a la question des structures qui portent des actions d'éducation populaire. Et je crois que là, il y a deux choses qui sont un peu de nature différente. Pour la deuxième partie, pour les structures, il y a à les aider, à les consolider, notamment sur des choses simples, mais toutes ont des problèmes à un moment donné de trésorerie, tous ont des problèmes d'équilibre. Bon, là, il y a des choses à imaginer qui ne sont pas forcément coûteuses, mais qui peuvent consolider. Et par ailleurs, j'allais dire en même temps, mais on n'a plus le droit de le dire, mais de pouvoir aussi les aider dans les processus d'évolution et de mutation. Comment on peut être aidé en termes d'innovation? On n'est pas assez aidé dans l'éducation populaire sur les questions d'innovation, de mutation numérique, de transformation, de réflexion aussi sur notre modèle économique. Il y a de l'argent sur le fonctionnement. On arrive à en trouver encore, un peu en tout cas. Comment on peut investir aussi dans ces mouvements-là pour qu'ils puissent évoluer et évoluer, pas au service de leurs valeurs, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, en phase avec les problématiques actuelles.